Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. On a hâte que ça débute. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Et on rentre dans le vif du sujet. Mon conduit maintenant. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il choisit la profondeur. Il reçoit le ballon. Le bon centre dans la surface. Le bon jaillissement. Cornet. C'était un joli tac quand même. Le ballon sort en touche. Il tente de la jouer dans l'espace. Le bon dribble. Voilà un coup franc intéressant. Bon dégagement, bien joué. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. La passe est précise. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Pour trouver la faille dans la défense. C'est bien fait. Traoré. À côté. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il était bien présent. L'Olympique Lyonnais qui récupère ce ballon. Fekir, il file droit au but. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Il tente de la jouer dans l'espace. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Il était quand même pas mal ce tacle. Il la met dans la boîte. Le bon dégagement. Ça, c'est une interception parfaite. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre l'anglais. Mais j'ai raison ou pas? Oui, mais... Il met la tête. Oh, le but. But pour l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est un beau coup de tête, mais il ne faut pas oublier non plus la qualité du centre. C'est bien joué, ça. Super timing. On le sent à l'aise sur ces ballons aériens. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Ça joue à gauche. Il glisse le ballon en profondeur. Mon conduit maintenant. Coup de sifflet, hors jeu. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. C'est dégagé, loin devant. Mon conduit maintenant. Cornet. Et l'arrêt est magnifique. C'est un super arrêt. Fine save. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. L'Olympique Lyonnais qui mène donc 1-0. Mais attention, tout est encore possible en seconde période. Et le jeu a déjà repris dans cette seconde période.
Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. L'Olympique. Il frappe au but. Oh, l'intervention magnifique. Oh, quel bel arrêt. Oui, il était bien concentré. Bravo. Premier corner dans cette rencontre. Oh, la main ferme. Ils s'en sortent. Blin au duel. Faut que ça va partir vite. Pour Traoré. Ça peut être extrêmement dangereux. Un long ballon vers l'avant. Ça peut partir en contre. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il file dans l'axe. Il est tombé dans la surface de réparation. L'arbitre siffle un pénalty. L'arbitre a pris sa décision. Il a raison. La faute était vraiment évidente. Et l'arbitre met la main à la poche. Logique. Ils ne sont pas d'accord, mais l'arbitre ne veut rien entendre. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation, mais il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. C'est une occasion unique de prendre le large. Il faut réussir son geste maintenant. Oh, le sang-froid, il aggrave la marque sur ce pénalty. Oh, le calme, c'est impressionnant. Magnifique contre-pied, c'est parfait. C'est reparti sur ce score de 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Il y a peut-être un coup à jouer. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Mais ils obtiennent un coup franc. Mendy qui va échapper ce coup-là au carton, mais la prochaine fois, l'arbitre n'hésitera pas. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de faute. La tête ! Oh, quelle parade ! Le ballon est repoussé. La passe dans la profondeur. C'est bien fait, ça. Le jeu repart vers la droite. Le ballon sort du terrain. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va lui faire du bien. C'est le goût. Guano. En retrait pour repartir proprement. Ganso. Pour trouver la faille dans la défense. S'il le trouve, il est tombé sur plus fort que lui. C'est joué long, c'est dangereux. Ganso, bien servi. Konaté, la relance, côté droit. Cornet, qui cherche la faille. Mon conduit maintenant. Zungu. Ganso. C'est osé. C'est joué long, attention. Il joue dans l'espace. Il est à distance de tir. Ça joue. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Quelle victoire. Quelle victoire absolument fantastique. Sincèrement, on va s'en souvenir longtemps de ce match. Alors, votre analyse sur cette rencontre. Gagner sans prendre de but, c'est la base. Et à la fin, toute l'équipe est happy.